Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale avec un jeu un petit peu spécial avec un concept vraiment très original. Je trouve, moi, j'ai beaucoup apprécié. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh, celui-là, il me le faut. C'est le Rider Way Smith White Angle de Destiny. Voilà, avec un concept vraiment hors du commun, vous allez voir. Donc, il arrive dans une énorme boîte parce que ce sont des énormes carte. Ici, vous avez l'auteur, l'artwork et l'artiste. Voilà, je vous le montre. Il y a un peu de vernis sélectif. C'est toujours de très belles boîtes hein, chez Destiny. Voilà, c'est la première édition. Il est numéroté. C'est toujours un jeu qui vient de Thaïlande. Je l'ai pris euh, comme d'habitude chez ma belle Audrey qui a le site euh, Oracle Inzel professeur. Je vous mettrai le lien vers sa boutique comme d'habitude, directement dans la barre de description, si jamais vous voulez vous le procurer. Voilà. Et ici, vous avez l'arrière de la boîte. Il existe en trois formats différents. Elle vend même le pack des trois, mais bon, c'était un peu euh, trop pour mon budget. Celui-ci c'est le plus grand et c'est le plus cher. Il existe aussi en version compacte, avec les mêmes illustrations, mais en plus petit, et une version panorama qui reprend... Euh, un panorama, en fait, ça les mêmes images mais coupées euh, par rapport à celui-ci. Je trouve que c'était celui-ci plus intéressant. Voilà, et on va découvrir ça ensemble. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Franchement, la boîte, les cartouches, est de super qualité. Voilà. Donc vous voyez, hein, le gros bébé. Je vais essayer de le sortir. L'intérieur de la boîte. On n'a plus euh, de nouveau tous les Destiny écrits, mais on a euh, le motif euh, du dos des cartes. Bon, je vais juste mettre la boîte de côté parce que est tellement grande. Voilà, donc on a un certificat d'authentification, hein, comme d'habitude avec euh, les jeux Destiny. Le dos des cartes est comme ceci, magnifique, j'adore. Bon, je vais la mettre, je ne sais pas où. Là, on retrouve toujours la carte de remerciement aussi. On a une carte qui protège devant et derrière, comme d'habitude. On a deux cartes comme ça, un blanc et un noir. Vous allez voir pourquoi après. Bon, ici, c'est encore une carte en plus. Et voilà. Pour le magnifique bébé, en fait, il a pris le concept. Je vais vous montrer avec ça. Voilà, on place ça sur les cartes. Donc, ça, c'est la carte du, du fou traditionnel. D'ailleurs, j'ai pris mon radiant ici. Je l'ai remis dans l'orte. Euh, pour vous montrer en comparaison. Voilà, ici vous avez le radiant. On oh, ça, on va mettre de côté. On va le mettre à côté. Et voilà. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Voilà, vous voyez, on a vraiment euh, l'illustration en fait comme ça. Et si on enlève ceci, eh bien, on a euh, ce qu'on pourrait imaginer avoir autour. En fait, bon, ça reste la vision de l'auteur, mais je trouve ça hyper intéressant euh, de se projeter là-dedans. Euh, je trouve ça très chouette, donc on peut choisir entre le blanc et le noir. Perso, j'aime bien le noir, je trouve ça ressort mieux. Voilà, et euh, bah, du coup, ça permet euh, d'avoir une vision euh, bah, de ce qu'il y aurait autour, et je trouve ça magnifique, vraiment. Voilà, et c'est bien aussi pour méditer euh, sur les cartes, pour partir en exploration, pour s'imaginer des choses, etc. Donc, on a ici au-dessus le numéro et le nom de l'arcane. Je vous montre par rapport à un tarot classique, je crois que la taille c'est 14. Sur 14, sur 14. Vous voilà. oui, voyez, par rapport à un tarot classique, euh, elles sont gigantesques. C'est vraiment pas des, des cartes qu'on va mélanger pour tirer, je pense. Hein. Euh, ce sera plutôt un jeu qu'on va utiliser euh, pour faire, pour l'étudier. Voilà. Bon, je vais essayer de vous mettre au-dessus, comme ça, plus ou moins, comme ça, vous verrez mieux peut-être. Voilà, comme ça. Donc là, on a le fou et franchement je trouve ça euh, génial euh, c'est un peu comme le after et le before où là on a une scène un petit peu avant et dans le before une scène un... quelques instants après ici on a vraiment le panorama de ce qui pourrait y avoir autour et je trouve ça vraiment très beau quoi regardez on a même le petit nichoir là c'est vraiment magnifique fallait y penser voilà ici la grande prêtresse et bon comme en plus il n'y a pas de bordure ça permet vraiment de plonger dans la carte Regardez ici, on retrouve une chouette, là. C'est trop joli. Il y en a qui paraissent un peu plus vides autour que d'autres. Il y en a qui paraissent plus remplis. Comme ici, l'impératrice, mais elle est magnifique, quoi. Regardez, là, il y a des vaches, une ferme. Je trouve ça magnifique, un champ de blé. Franchement, c'est trop beau. Et l'illustration, là, reste l'illustration classique. L'empereur. Et encore une fois, bon, je vous remonte pour une ou deux. Hein. Voilà, si on prend comme ça, ben on a bien, c'est bien fait. Hein. On a vraiment euh, la carte du rider euh, classique, voilà. Je trouve ça génial. Et la qualité des cartes franchement pour cette taille, elle est incroyable. Voilà, ici elle est magnifique quoi. J'adore. Dans cette église, on retrouve les vitraux, là les, les statues, les chaises d'église, ou de cathédrale ou ce que vous voulez. Le concept est vraiment génial. Je vous mettrai le lien vers la, la boutique d'Audrey. Voilà. Le compact, apparemment, c'est les mêmes illustrations, mais en plus petit. Et le panorama, lui, reprend une bande comme ceci. Donc, il manque le dessus, le dessous. Et c'est les mêmes illustrations. Donc, finalement, je trouvais que ben, le grand, c'était encore ce qu'il y avait le mieux à prendre. Voilà, le chariot. Ici aussi, la forge, j'adore. On voit ici des lions. Là, le panier de pique-nique. L'ermite, lui, est tout seul, dans la glace. On voit une étoile ici. La route fortune avec ce magnifique paysage. Et il a vraiment repris, vous voyez, les nuages, euh, elles ont vraiment... Je vais vous montrer comme ça. Là, vous voyez, la forme, c'est vraiment la même. Il a vraiment repris les mêmes illustrations. C'est trop bien fait. Voilà, par exemple, ici, euh, la justice, c'est bien fait aussi. Hein on retrouve bah, les gens euh, qui venaient, on dirait les gens qui venaient à l'époque euh, chez le Seigneur euh, pour exposer leurs problèmes, justement, pour que c'était le Seigneur qui avait tout pouvoir et qui prenait les décisions. Bah, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Le pendu, j'adore avec sa mouette là, sur son poteau. Les mouettes qui sont en train de le regarder. C'est vraiment bien fait, la mort. Bah, je vais vous montrer avec, euh... comme ça, voilà. Et voilà. Enfin, C'est vraiment super original. Et là, vous voyez, on a, on a ici une tour. C'est vraiment euh, trop bien fait. Ici, on a la tempérance. Bon, là, on retrouve bien l'idée de la rivière ou du lac, ma foi. Le diable, celle-là aussi, elle est incroyable. On voit bien qu'il... On a l'impression qu'il est dans une grotte et on voit tous des petits yeux là. Ils font un peu peur, les stalactites au-dessus, des cristaux. C'est vraiment... J'adore, vraiment. Coup de cœur. Ici, la tour, on, on, ça permet de bien imaginer en fait ce qui pourrait se passer. Le décor, de planter le décor. L'étoile. La lune. Ça donne de l'espace autour des cartes, en fait. Celle-ci aussi est magnifique, je trouve. Le soleil. Voilà. Avec les tournesols derrière. On a des maisons. Elle est trop bien aussi. Celle-ci aussi, j'aime bien le jugement. En fait, on a, la fumée ici, on a, ça vient d'un bateau. C'est excellent. Et en fait, ils sont en pleine mer. Ici, on voit pas qu'ils... Enfin, oui, on voit un peu d'eau, mais on ne se dit pas qu'ils sont... Voilà. Ça permet à laisser libre cours à l'imagination. Le monde et les mineurs sont très très belles aussi hein. en fait. On, je vous remontre ici aussi pour le plaisir. Voilà, là on a l'as de bâton. Hein. Voilà. Et si on l'enlève, mais ben on voit tout ce qui se passe autour, les champs, les petites maisons, le château là au loin, la personne aussi qui tient euh, le bâton. Je trouve ça génial. Fallait y penser encore une fois. Ici on a le 2 de bâton. On, voit, on, on se dit toujours qu'il bah, qu regarde à l'horizon. Bah, ici on voit ce qu'il regarde. Quoi. Et en plus on a à nouveau les mouettes là. Ici le 3, magnifique aussi. Hein Avec la petite calèche là. Ici on a les palmiers. Le 4. Voilà, on a le château, on a tout, c'est magnifique. Le 5, ici, on voit un moulin à vent, on voit les mottes de foin, mottes de paille. On a l'impression que c'est des, des paysans qui se disputent là. Celle-ci aussi, j'adore. Je la trouve trop chouette. Avec euh, l'habit ici du cheval comme ça, c'est trop joli. On voit la personne aussi avec euh, une couronne. Ça a dû être un... Beaucoup de travail aussi je pense. Ici on voit en fait il est sur un rocher. Le 8 ici aussi j'adore avec les, les monts golfières là dans le ciel, je trouve ça génial. Le 9. Le 10. Pareil, hein, les travaux de la ferme, on voit le tracteur là. La hache. Je me demande s'il y avait des tracteurs à cette époque. C'est comique, ça. Petite note d'humour, le page. Ah, ici aussi, le, le chevalier il est trop chouette. Le chevalier cabre. Mais ici, on, on voit pourquoi il y a un cobra. Tandis que là, on ne le voit pas. Bon, on peut s'imaginer plein de choses. Du coup, hein. on peut s'imaginer une souris, plein de choses. Ça permet aussi de faire marcher son imagination. Voilà. Ici la reine, même le dessus du trône. Regardez, on voit là, il est, il est monté, il est un peu cassé. Ici on a le roi avec un tigre qu'on ne voit pas du coup sur la carte classique, voilà, comme ça, avec sa salamandre. Hein. Et j'adore. On a l'impression qu'il domine son royaume. Là. Magnifique. L'as de coupe, pareil avec cette femme, on ne la voit pas non plus dessus. Et on voit l'étendue d'eau. Le 2. Le 3 ici, on voit qu'elle on dirait qu'elle fête les récoltes. On voit que ça a été abondant. Hein. Le 4. Sous son arbre. Le 5. Le 6 avec ses enfants hein, dans le village. Le banc. Ici, <laughs> j'aime bien aussi euh, le 7 avec bah, l'idée que le nuage sort d'une lampe. Euh, vous savez les lampes à oui, il a frotté là où il y a un génie qui va sortir. Voilà, c'est chouette. Il y a un ange dessus. Et on retrouve bien ce personnage. Le 8. On voit la barque ici. Le 9. Il faut avouer que c'est original. Hein. Le 10 avec la famille, avec des tables de pique-nique. Il y a même deux petits chats là, regardez. À côté du, du panier de pique-nique là. Et ce magnifique arbre. Celle-là aussi j'aime beaucoup le page avec ce magnifique bateau là à côté et sa valise chouette le chevalier de coupe ici qui va traverser la montagne euh, la rivière plutôt que ce que je raconte la montagne la reine de coupe ici on a une noix regardez avec ses bébés magnifique celle-ci aussi elle est trop hein, le, le roi avec des dauphins et un phare, j'adore. Ici, l'as d'épée, j'aime beaucoup les as, je les trouve vraiment beaux. Avec les personnages et la ville comme ça en dessous, c'est trop beau. Le 2. Le 3 d'épée, bon, là, on voit qu'il pleut, hein. voilà. Ici, on a l'impression d'être dans une crypte ou dans une église ou avec un tombeau, hein, avec les vitraux, les symboles de royauté, hein, les blasons. Magnifique. Le 5. Le 6. Ici, on a l'impression qu'il y a une partie qui est calme de l'eau et l'autre qui est agitée. Aussi est très belle avec euh, des tentes, un peu même des tipis. Ici, le 8 avec un crâne. Ici, le 9, là, on voit bien qu'il est dans une chambre hein, avec une garde-robe. J'adore. Je trouve ce concept vraiment chouette. Moi, le 10. Bon, évidemment, il y en a qui vont pas aimer. Hein. Ceux qui n'aiment pas qu'on touche euh, aux, ben, aux, aux rider classiques, forcément, aimeront, aimeront moins. Peut-être j'adore ici le, le bonhomme d'entraînement. Les épées cassées. Ici, on a euh, le chevalier hein, d'épée. On voit, hein, il part à l'assaut. Et bien ici, on, on, on voit qu'il n'est pas seul, en fait. On dirait les cavaliers qui foncent dans la bataille. Là. Celle-là aussi, j'adore. La reine avec tous ses loups. Magnifique. Ils sont trop beaux, regardez. Ici, on a le roi avec des, des carcasses de je ne sais pas quoi. Il y a des chevaux, là aussi. Et son aigle tout au-dessus. L'as de denier. Dernière série, ici, j'adore. Il y a des vaches, regardez, c'est trop beau. La petite charrette du fermier. Le 2, ben ici on a l'impression qu'il est dans un cirque. J'adore avec le le jongleur sur son monocycle. J'adore. C'est trop bien. Celle-ci, le 3. Bon là on a l'impression qu'ils sont dans la ville, chez les commerçants, ici à le bibliothécaire. 4 avec ici le chat, regardez. On dirait qu'il est sur un port ou sur le haut d'un immeuble, enfin d'une un, maison. Bon, ici le 5, est très triste celle-ci. Hein. Bon, je vous la montre aussi celle-là du coup. Voilà. Et du coup, ben, on a l'envergure. Bon, on s'imagine que ça doit être une église ou une cathédrale du coup. Ici, pareil, les mendiants. Avec les, les fameuses roulottes là, comment on appelle C'est encore des, des chariots, je crois qu'ils appelaient ça. Ici pareil, hein, on voit avec le moulin avant, les outils euh, de fermier, etc. En train de travailler. Ici, le 8. On voit qu'il y a tous ces outils. Hein, et tous ceux qui l'a raté au sol, j'adore. Le 9, avec cette magnifique vigne. C'est vraiment bien fait, franchement. Ici, le 10, avec l'escalier là. Le page, avec les petits lapins. Le chevalier, avec les meules de foin, c'est très beau. La reine. Très très belle aussi. Et on termine avec le roi. Qui est très beau aussi. Couvert de raisin. Avec son château derrière une montagne. Voilà. Et ça, c'est encore une carte pour protéger le jeu. Voilà. Mais franchement, moi j'adore le concept. Hein, vous l'aurez compris. Euh, par contre c'est un gros bébé hein, à avoir en main. Euh, le fou ici par contre euh, bah, ça me fait un peu sourire. On se dit bah, mince. Euh, espérons que bah, le chien le retienne et qu'il ne saute pas parce que là il va au-delà de gros problèmes. Voilà. Euh, bah, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ce concept est chouette, ou si vous trouvez ça ne euh, si vous intéresse pas du tout. Euh, je comprends ça aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Moi, franchement, je trouve ça super original. Euh, Dites-moi si ça vous a... Euh, enfin, si, si vous l'aviez vu passer aussi, euh, parce qu'il vient tout juste de sortir. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude dans les commentaires. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Musique